Alors? Ce sera certainement celle de Gounod. Allez, on parie. Dieu, qu'elle est jolie. Qu'est-ce qui lui est arrivé là? Il a un problème, il a une crampe. Il est content. Non, mais bon, alors là, j'ai été très critique à l'égard du parrain. Je suis forcé de l'être tout autant à l'égard de Ave Maria. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'on choisisse le thème musical
de l'Ave Maria de Gounod ou de Schubert, mais bon, sans laver. On s'en lave les mains de laver. Je veux dire, bon, parce que c'est forcément prêter le flanc à la critique. Pas aucun thème religieux dans le milieu du patinage, please, quel qu'il soit. Qu'il soit coranique, qu'il soit judaïque, qu'il soit chrétien, qu'on s'en passe très largement, et je pense qu'il vaudrait mieux que l'ISU sur ce point d'ailleurs stipule. Ceci étant, ils ont admirablement patiné, et je considère que Mademoiselle Ilinik est d'une beauté saisissante, fulgurante. Tellement belle qu'on n'a peut-être même pas besoin de la voir patiner. Si, soyons quand même sérieux, on est dans une compétition de danse sur glace. Mais bon, ce thème, évidemment, ne les met pas en valeur. J'aurais préféré qu'il évitasse de patiner sur un thème qui est quand même connoté religieusement. Voilà. Mais ça, c'est ouais, votre point de vue, parce que je n'ai pas trouvé tellement les références religieuses, à part l'Ave Maria, mais il n'y a pas tellement de références. Enfin, si vous patinez sur un paternoster, c'est forcément connoté religieusement. Donc moi, C'est dans l'esprit que ça vous dérange, parce que dans l'interprétation, il n'y a pas... C'est vrai que je trouve rien de choquant, il n'y a pas de croix, il n'y a pas de signe. Oui, mais enfin, c'est un peu comme la galette tout à l'heure des Espagnols. Il y avait la croix pour Mickey Ando quand elle patinait. Le requiem. Oui, et de ça, Rosa. C'est quand même. Mais là, bon, il n'y a pas de référence. C'est une tendance chez Morozov. Hein. Il persiste. Oui. Il persiste et j'oserais dire, il signe. En tout cas, c'est un couple extrêmement talentueux. Qui visait le podium ici, hein. Quatrième l'année dernière et il voulait absolument monter sur le podium. Ils sont très loin à l'issue de la Chardin. Ils étaient loin après le short, ouais. Mais bon, loin. Ils étaient 7, mais c'était sur les points, ouais. Ouais, dans le mauvais groupe surtout. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'il faut avouer que Elena Ilinik est ravissante et que Nikita Katsalapov. On va prendre des cours de russe un peu, les garçons. Il est également très très bon. Katsalapov. Parce que j'arrive à détourner parfois mon regard d'Elena Ilinik pour le regarder. Qu'est-ce qui vous arrive, Alban? Qu'est-ce qui vous arrive? Il y avait 4. Je vous rassure, rien n'a changé. Non, je sais. Pour le podium, il y avait 2 points d'écart. Pour le podium avec les troisièmes, 93, c'est pas mal, 93-63, ça meilleur score personnel cette saison. Il y a sûrement un problème de groupe, ils sont pas dans le bon groupe pour monter sur le podium, à mon avis.